Et voilà. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, voilà, hebdomadaire. Donc pas d'achat, pas d'unboxing, voilà. Pas de DVD à montrer, voilà. Bah qu'est-ce que tu fous là alors? Qu'est-ce que tu veux nous faire une nouvelle vidéo? Je fais parce que ça fait plaisir, voilà. Donc une vidéo, voilà, pour demander si vous allez bien, voilà. Moi ça va. Voilà. J'espère que vous passez un bon week-end, moi ça va, voilà. On regarde des films, j'ai joué là, j'étais avec mon pote Tanguy, voilà, dédicace à lui. Et puis voilà, puis après j'ai regardé un petit film là. Alors film que je vais regarder, on va choisir ensemble. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir me regarder? Dans ma tête en fait j'ai tellement de blu-ray que je me demande ce que je vais regarder. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Mon chien va faire ça, tu veux dire bonjour? Il va dire bonjour. Hop! Bien. Là, là, dis bonjour. Ici, mon ta grosse tête. Voilà, là, mais non, mais il est con. Mais. Fait exprès. Voilà, là. Mais là, là, voilà, dis bonjour. Dis bonjour aux youtubeurs. Voilà. Toi, par faire tomber l'iPad. Voilà. Bon, bah, c'était mon chien qui voulait vous dire bonjour. Bonjour de rien du tout. Donc, comme je disais, ouais, je sais pas quoi regarder. Je me demande quoi. Pas une comédie, voilà, comédie genre peut-être pour le soir. Peut-être un film d'horreur, voilà. Peut-être Your Next ou Les Incorruptibles, voilà. Mais qui changeait. Un film d'horreur, il fasse directement un film de gangster. Non, on verra. Il y a un très très bon film, voilà. Un fauteuil pour deux, enfin je l'ai revu, ça m'a bien fait rigoler. Voilà, donc je voulais dire voilà, que j'avais vu ça, que je vous le conseille, voilà. Si vous avez envie de passer 1h51, parce que je connais les minutes, 1h51 de film, 1h51 et 55 secondes, monsieur. Pas une de plus, pas une de moins. Bref, et donc si vous voulez passer 1h50 à bien rigoler, bah regardez ça, c'est un très 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 bon film, voilà. Et puis demain il y aura sûrement, des unboxings, voilà. Parce que je vais recevoir des colis de il y a Elissa, des nicheurs de films, Monsieur Ciné Chapeau qui m'a envoyé un film, Tanguy aussi, mon pote Tanguy, mon pote Pierrick, ça fait déjà 2 semaines que j'attends ton colis, à la poste ils se sont endormis dessus. À la poste ils ouvrent le colis, regardent les films, après ils les envoient. Je pense, parce que là ça fait 50 ans. Voilà, et puis bah, je dois recevoir encore 3. Encore 3 Blu-ray, 3 Blu-ray et un film aussi, de la part des gens, vous savez que j'ai acheté sur Amazon, ouais, par des gens. Et puis j'irai demain, quand j'ai encore des cadeaux à faire, voilà, pour ma mère et encore pour ma soeur, voilà. Il me reste un peu d'argent, donc j'irai voir si je trouve pas des coffrets. Vous savez, maintenant il y a des coffrets, donc si je vois pas un coffret Blu-ray pas trop cher, ou si je vois pas des Blu-ray pas trop cher à mon Leclerc, voilà, comme ça à côté de chez moi, j'irai faire un petit tour. Et puis voilà, donc les envois, ils sont où? Ils sont là. Donc pour Tanguy, donc. Tanguy, donc ton cadeau de Noël, voilà. Donc tu as été très sage, voilà, le Père Noël est très content. Julien, Denis Montal, pareil. Et Jules, voilà, je t'envoie tes 3 DVD. Donc il y a La Passion du Christ, Django et Boulevard de la Mort, Les Infiltrés. Je les ai gardés pour l'instant parce que je l'ai pas encore acheté en Blu-ray. Voilà, je vais l'acheter en Blu-ray, sûrement à Noël. Donc de toute façon, dès que je l'achète en Blu-ray, même si je l'achète demain, je te le renverrai dans un autre colis, voilà. Voilà, ouais, je te l'enverrai dans notre colis. Donc là, t'as Django, La Passion du Christ, voilà, et Boulevard de la Mort, ouais, de Tarantino. Voilà, de très bons films. Et ça, c'est un secret, donc il ouvrira devant vous. Hein. Voilà. Chelou, le scotch s'est enlevé. Bref, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc cette semaine, pareil, peut-être bah, des unboxings, oui, ça dépend si je reçois des trucs demain. Voilà, sinon, je vous présenterai quelques DVD comme je fais aujourd'hui. Je vais continuer donc à vous présenter des films à voir, voilà. Alors, si on passe un peu à l'horreur. Voilà,
Le mec qui fait sa vie en vidéo, il se promène et tout. Bah, je me promène pour la vidéo, ouais. Je me promène. Voilà, présenter quelques films d'horreur, voilà, pour passer le week-end, on va dire. Ouais, je sais faire déjà ça. La chaise m'a déjà énervé encore. Donc, pour passer le week-end, enfin le week-end, passer ce bon dimanche, voilà, un petit film d'horreur si vous avez envie de vous faire des crises d'angoisse, voilà, d'avoir peur, t'as plus peur. Il lui a coupé la tête. Voilà, d'avoir peur, voilà. Ou de serrer, ça dépend. Moi, je sais que il y en a qui draguent des meufs en... Enfin, qui draguent des filles, voilà, pardon. Oh, passons des films romantiques. Moi, je sais qu'à chaque fois que je draguais une fille, je passe un film d'horreur, voilà. Ça marchait à chaque fois, donc tuyau. Enfin, mon tuyau, c'était ça. Après, on m'a dit que les films romantiques, ça marche. Excusez-moi, quand j'ai vu Titanic avec une fille, ça m'a plus repoussé qu'autre chose. Hein. Laisse-moi. Leonardo DiCaprio, il est mort. Et alors, il est toujours là, regarde, il a fait un autre film. Non, il est mort dans le film. Oh, c'est triste. Hein. Il en a à foutre. Et, elle m'a repoussé. Après, elle a dit, je voulais l'embrasser. Oh, il est mort. Donc, j'ai dit, putain, dernière fois que je passe un film comme ça. Et maintenant, quand il fait bien, je cache tous les films comme ça, les Titanic et tout comme ça, je cache comme ça. Je l'ai caché, je cache parce que. Tiens, si on regardait un film, Titanic, non. T'as pas Titanic? Non, j'ai pas Titanic, non. T'as la prochaine que j'emmène, elle me demande, t'as pas un film? J'ai dit, j'ai Le Parrain, ouais. ça va? J'ai Le Parrain, viens, regarde ça. Non, t'as pas. Non, j'ai pas Titanic, non, je n'ai pas les. Je n'ai pas, non, je n'ai pas Love Story. Non. En plus, ma soeur, là, cacher tout ça, là. Non. Donc, moi je dis, les films d'horreur ça marche. Après, tu vois, moi on se rapprochait de moi. Bah, rapproche-toi, c'est bien. Comme ça, au moins, tu pourras pas pleurer. Là, au moins, elle était contente à la fin. Il y en a une, elle était, ah, il est mort, Jason. Je dis, ah, bah, moi, c'était moi qui étais en pleurs, oui. Quand j'ai vu la mort, quand Jason il meurt. Vous savez, dans chaque film d'horreur, il meurt, il revient. Ça, c'est pas non plus un truc, c'est pas un spoil, mais c'est moi qui étais en pleurs. Elle était, ah, il est mort, tant mieux. J'étais là, ah, il est mort. T'es en dépression, là, jusqu'au j'allais me suicider. Donc, bref, pour commencer, donc. Voilà, fini la parenthèse. Donc, je vous propose déjà de voir donc Vendredi 13, le premier. Donc, j'en Blu-ray, bon, qui existe en DVD aussi. Donc, un très bon film. Voilà, bon, c'est pas Jason, c'est sa mère, mais moi, je vous conseille de commencer la saga. Bah, c'est mieux par le premier. Bah, alors, j'ai envie de commencer la saga par le dernier. Pourquoi? Quel est le problème? Voilà. Donc, voilà. Donc, Vendredi 13, voilà, je vous conseille. Très bon film. Avec, comment on dit? Beaucoup de suspense. Du suspense, voilà. Et puis, il y a qui joue dans le jeune, je sais plus quoi, on m'avait dit. Kevin Bacon, un très très bon acteur qui commence dedans. Voilà, comme Johnny Depp avait commencé dans le premier Freddy, donc très bon film, voilà, je vous conseille. Alors là, on passe à un gros 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 classique, voilà. Un gros gros classique, voilà. Donc c'est. Hop, c'est bien ça. C'est Psychose, voilà, l'original, voilà. Pas le remake ni les suivants, donc l'original avec Anthony Perkins. Un très bon film, voilà, donc en noir et blanc, par contre, mais vraiment, la scène de la douche, voilà, c'est un classique, voilà, tout le monde l'a vu, de toute façon, ce film, qui l'a pas vu, même les profs, ils le passaient. Donc un très très bon film, voilà, que je conseille aussi à voir, si vous voulez, voilà, bon, je propose beaucoup, parce que, je sais que, on va pas parler de tout ça, mais je propose. Ensuite, Freddy, voilà, donc, moi, j'ai un truc qui bouge, voilà, ouais, ça se voit pas. Là-bas, ça bouge, voilà, il y a des griffes. Ça, les caméras, ouais, bon, bref, ça bouge. En plus, on voit pas, hein. c'est vrai. Plus, suivez, on voit un peu. Bref, bon, ça bouge. Donc, ça, c'est le remake. Voilà, bon, je vous conseille tous les autres, hein. Mais bon, le remake, voilà, un très très bon film. Voilà, avec plus de suspense que dans le premier. Voilà, moins d'humour. Il est plus violent. Enfin, violent. Il est plus, il est moins dans la caricature. Non, mais moins dans la, vous savez, dans la drôlerie. C'est bien français, bon, la drôle. Bref. Donc, voilà, donc un très bon film, voilà, avec du suspense, voilà. Plus noir, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Plus noir que le premier, que l'original. Donc, moi, je vous le conseille, très bon film, voilà. Freddy, donc Les Griffes de la Nuit. Et donc, le dernier, c'est Hannibal, voilà, le dernier de la trilogie avec Anthony Hopkins et Julianne Moore, voilà. Donc, très bon, c'est mon préféré, c'est ça que je vous montre celui-là. Moi aussi, tiens, j'ai retrouvé l'autre fois, quand je l'ai lu, j'ai le livre, le Silence des Agneaux, voilà. Donc il faudra que je le relise aussi, ça fait longtemps. Mais donc Hannibal, voilà, c'est mon préféré des trois. Voilà, donc très 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 bon film, voilà. Voilà, rien à dire, donc à voir aussi Hannibal, donc, sur le Hannibal Lecter, avec un grand Anthony Hopkins, voilà, connu pour ce rôle d'Hannibal. Voilà, donc pour ce week-end en horreur, voilà, j'ai pris ce qui me venait sous la main, je sais pas, en train de chercher, je suis en train, maintenant je réfléchis ce que je vais acheter.
que j'ai acheté ce que je vais prendre en truc. Bon, attendez, en même temps que je range, je vais lui suivre. Donc, hop, ce soir, normalement, il y aura une vidéo présentation de mes achats. Enfin, de mes achats. Et bravo, génial. Parle bien. Non, pas de mes achats, de mes collections de DVD, voilà. Puis, voilà, ce sera juste après cette vidéo, voilà. Voilà, parce que le truc des achats, on peut moins faire de... Je parle que des achats, voilà. Donc, ce sera juste après celle-là. Mais bon, je voulais vous faire quand même une vidéo pour discuter avec vous, pour vous proposer quelques films, voilà. Et pour faire, bon, bah, la récapitulative de ce que j'allais envoyer. Voilà. Puis, donc, voilà, je vous propose ces films, voilà. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, Le Parrain, toujours les classiques pour moi. Voilà, pourquoi pas me regarder Le Parrain ou Les Incorruptibles, je sais pas. Peut-être Les Incorruptibles, voilà, comme ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est un bon film avec Kevin Costner, voilà. Robert De Niro, Andy Garcia, voilà, Andy Garcia, j'ai retrouvé le nom. Qui jouait Vincent Corleone dans le 3ème, voilà, dans ma tête, en plus j'ai même pas été regardé ni rien, j'ai pensé dans ma tête, j'ai dit son nom et tout, et puis ça m'a ressorti, c'était Vincent Corleone. Voilà, donc oui, donc demain peut-être les achats, voilà, j'irai voir à Leclerc si je trouve pas des Blu-ray pas trop chers. Des fois ils trouvaient, moi ce que j'avais là-bas, c'était qu'ils avaient la trilogie de Spider-Man, l'original de Sam Raimi en Blu-ray, je crois que c'était à 10€ et quelques les 3 Blu-ray, donc, si ça y est toujours, parce que je sais que c'était pas là toute l'année, et je sais pas si là ça y sera toujours, j'irai voir, parce que des fois ils font des grosses promos sur des DVD, voilà, ils ont pas d'Eddie Murphy, c'est dommage, mais voilà, ils font des grosses promotions sur des fois sur les Blu-ray, donc, comme c'est les fêtes de Noël, il y aura des gros coffrets, je pense, donc j'irai voir ça demain après-midi, donc dès que je rentre de Leclerc, donc vers, je sais pas vers quelle heure je vais y aller, parce qu'il faut que j'aille pour l'ouverture de la poste où j'irai après, je sais plus. De toute façon, il faut que je parte pour ce que j'irai à la poste, je pense, avant, pour poster les colis, ou j'irai le matin, hein, ça dépend. Donc j'irai, et puis je vous ferai la vidéo en rentrant de Leclerc, voilà. Plus rien à dire, ouais, bon, j'espère que vous passez un bon week-end, voilà. Que vous profitez, voilà, le dimanche, profitez de votre famille, bon. Moi, je vais profiter de la mienne, voilà. Voilà, donc, voilà. Et puis, voilà, profitez pour regarder des films, voilà. Et puis, pour vous amuser, voilà, avec vos amis, avec votre famille, comme je dis. Comme je dis toujours, que ça a été la... C'est ma philosophie, on va dire, c'est... On n'a qu'une vie, enfin, ma philosophie, c'est plutôt celle de Scarface, hein. Le monde est à vous. Mais, ouais, voilà, on n'a qu'une vie, donc profitez-en. Voilà, faites ce que vous voulez, regrettez pas. Moi, je regrette jamais ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, sans dans la vie, je l'assume toujours. Mais qui fait c'est... Je prends pour un peu de philosophie, ouais. C'est 4 heures. Voilà, c'est 4 heures. On n'a qu'une vie, faites un sujet dessus, non. Non, mais puis on a... Voilà, on n'a qu'une vie, il faut en profiter, comme je dis. Et puis voilà, donc... bah, ma petite vidéo de discussion est terminée. Je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo, je crois que c'est la 7ème partie de ma présentation de DVD. Qui sera consacré aux super-héros. Il y aura beaucoup de super-héros, il y aura d'autres coffrets. Parce que les séries TV, je vais pas le faire là, je le ferai sûrement après Noël, parce qu'après Noël, je pense que je vais avoir j'ai demandé quelques séries aussi, je crois. Ouais. Je sais même plus ce que j'ai demandé. J'ai demandé. Donc, parce que j'étais en fait dans ma tête, j'ai pas ce que j'ai demandé, j'ai ce que les gens m'ont demandé, ce que ma mère a demandé, ce que ma soeur m'a demandé. Donc ouais, j'ai demandé quelques séries, donc voilà, donc je vous ferai ça après. Donc voilà, on se retrouve juste après pour une présentation de DVD. Voilà, donc moi je vous dis à tout de suite, et à tout de suite les amis. Salut.